Bonté de Dieu, en chantant ce chant. Mais attention, avant de chanter ce chant, rappelle-toi que dans l'Ancien Testament, c'est quoi les paroles, vas-y. Et ton amour dure à jamais. Alléluia. Tu es bon. Tu es bon. Et nous voulons reconnaître cette bonté. Quand nous voyons ce que tu fais, quand nous voyons ce que tu as commencé, quand nous voyons comment nous étions à quelques années, et nous voyons comment nous sommes, nous n'y sommes pas. Nous ne sommes pas arrivés à destination, mais nous reconnaissons qu'il y a eu un shift, il y a eu une progression, il y a eu un étirement divin, il y a eu une main visible derrière nos vies, il y a eu une impulsion divine. Aucun homme, aucun parent ne pouvait produire le résultat que je suis en train de voir sur ma propre vie. Je ressens une joie augmentée, un amour amplifié, une audace renouvelée. Seigneur, je reconnais, ce n'est pas mon éducation, ce ne sont pas des professeurs. Non, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas l'actualité. Il n'y a que des mauvaises nouvelles aux informations. Quand je vois ce que tu es en train de faire dans ma vie, je suis obligé de reconnaître et d'attester la bonté de Dieu. Permets-moi de chanter. Permets-moi. Ce n'est pas un chant. C'est une contemplation. C'est un émerveillement. C'est une manière de dire, waouh, je ne sais pas quoi dire. Alors je veux dire que tu es bon. Je reconnais que tu es. Je reconnais. Allez, ça veut dire gloire à Dieu. Je ne garde pas la gloire. Lorsqu'on me félicitera, lorsqu'on me dit c'était formidable, je rends la gloire, je dis, waouh, ce n'est pas moi, c'est un prodige de Dieu, ce n'est pas une œuvre humaine. Aucun homme, aucun pasteur, aucun orateur n'était capable de faire cela. C'était l'œuvre de l'Esprit de Jésus, en mouvement, en action. C'était l'onction en action à la capitale de la francophonie. Voilà pourquoi un peuple veut reconnaître, peut attester. Tu es bon. Allez, allez. Nous voulons reconnaître que tu es. Nous n'avons pas de mots pour te dire merci. Nous voulons prendre le temps de dire merci. Nous voulons nous arrêter pour dire merci. Parce que rien n'est acquis. Ce n'est pas un acquis. Non, tout est grâce et bonté de Dieu. Reçois notre gratitude. Ton amour dura jamais. Cette mélodie émane de cœur reconnaissant. Nous ne sommes pas arrivés à destination. Non, mais nous célébrons les victoires. Nous célébrons les accomplissements divins. Nous célébrons les actes du Saint-Esprit. À chaque étape où tu nous conduis, aujourd'hui, nous reconnaissons que quelque chose s'est passé. Nous reconnaissons que nous avons été touchés, nous avons été transformés, nous avons été étirés, nous avons été augmentés, nous avons été redimensionnés. À celui qui l'a fait, nous disons, allez, allez, allez. Reçois notre gratitude. Je me suis souvenu dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël allait à la guerre, il fallait toujours qu'il soit précédé des Lévites. Et ce chant, ces paroles que nous sommes en train de dire dans l'Ancien Testament avant d'aller à la guerre, Israël devait sonner la trompette et le peuple et les Lévites, les sacrificateurs, devaient entonner car il est bon, car son amour ou car sa miséricorde dure toujours.
Est-ce que tu te rappelles que ce sont les mêmes paroles quand il les prononçait dans l'ancienne alliance, quand il les prononçait dans ton ancien testament et quand il les prononçait comme une armée, quand il faisait car il est bon, car il est bon. Car il est bon, car il est bon. Et sa miséricorde et son amour dure à jamais. Chaque fois qu'Israël chantait ce chant, c'était des paroles simples, mais il disait, car tu es bon, et ton amour et ta miséricorde dureront toujours. Quand ils ont donné ce chant, la Bible dit que soudainement, un ange t'est envoyé par Dieu pour frayer le chemin devant eux. Il les précédait, c'était un avant-gardiste, c'était un ange qui allait ouvrir le chemin. Et quand il chantait, quand il faisait remonter l'adoration des cantiques en son honneur, la Bible dit qu'un ange allait dans le camp des Philistins et il décimait les ennemis d'Israël. Il décimait, il ouvrait la voie. Sois conscient. À travers ton adoration, ce n'est pas une question de mots. Tout dépend de l'attitude qui accompagne ces paroles. Tout dépend de l'attitude, tout dépend de la révérence, tout dépend de la foi, tout dépend de la ferveur qui accompagne tes paroles, qui accompagne ta mélodie. Alors que tu es en train d'adorer, la Bible dit ce qu'il a fait hier, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière que hier, il ouvrait la voie. Dans notre époque, nous croyons, nous déclarons qu'il ouvre la voie pour y traverser, pour la percer. Rien ne sera plus jamais comme avant. Non! Attaquez pressé qu'il a la bosse. Tu es bon! Et ton amour pressez les camarades à la bosse. Non! Nous ne sommes plus là où nous étions l'année dernière. Nous ne sommes plus là où nous étions au début d'année. Une traversée, une percée. Les portes, les murailles sont déjà tombées. Nous sommes dans la célébration. Nous sommes dans la contemplation. Nous sommes dans l'adoration. Y a-t-il une personne pour lever les mains? Pour lever les mains et dire tu es bon, tu es bon, tu es bon. Y a-t-il un peuple pour répéter tu es. Et ton amour dure. Et à la cadavosa, et la bossa. Je vois des percées surnaturelles. Ça ne vient pas aujourd'hui, c'est déjà accompli. Voilà pourquoi je suis en train de rendre grâce pour ce qui a déjà été accompli, achevé, scellé. Tu es bon. Tu es bon pour nos campus, tu es bon pour nos familles spirituelles, tu es bon pour un vaccin chrétien, tu es bon pour ton église, tu es bon pour nos foyers, tu es bon pour nos familles, tu es bon pour nos destinées. Tu es bon pour notre postérité, pour nos enfants. Les enfants de nos enfants, les enfants de nos enfants. Tu es bon pour notre santé, tu es bon pour notre corps, tu es bon pour notre âme. Tu es bon pour la francophonie, tu es bon pour la francophonie. Tu es bon et ton amour durera jamais. Allez, allez. Pour la francophonie, tu es bon et ton amour ne va jamais.
Le Saint-Esprit m'a dit tout à l'heure au premier culte, et j'ai à cœur de le redire brièvement au deuxième culte. Nous contemplons les bontés et les merveilles de Dieu. Mais il m'a dit, ne commettez pas l'erreur de croire que ce que nous vivons, nous voyons. Nous n'en voyons que les prémices. Peut-être que pour des gens à l'extérieur, ce n'est rien. Mais pour nous, ce que nous avons vu est beaucoup. Nous ne méprisons pas les faibles commencements et nous reconnaissons que nous sommes à Paris, la capitale de la francophonie. Et nous ressentons, pour plusieurs d'entre nous, qu'une semence prophétique a été plantée. Nous ressentons qu'une nouvelle page a été ouverte, qu'une nouvelle étape de reconquête de la francophonie a commencé, qu'une armée des fils de Dieu s'est levée. Nous ressentons et nous ressentons au-dedans de nous l'appel de la destinée, un cri de destinée. Peut-être que pour toi c'est rien, peut-être que pour toi c'est juste un nuage qui a commencé avant la pluie. Tu banalises le nuage. Mais nous, lorsque nous voyons un nuage, nous savons que c'est une pluie qui arrive. Et lorsque nous voyons le nuage, alors que hier, le ciel était complètement bleu, il n'y avait aucun nuage. Nous savons, lorsque nous voyons un nuage commencer, un deuxième nuage, nous sommes excités. Parce que nous savons que c'est une annonce d'une pluie qui vient sur le pays, sur le territoire. Voilà pourquoi nous n'avons peut-être pas la même manière d'être enthousiastes. Parce que quand tu vois un nuage, tu te dis, ce n'est qu'un nuage. Mais nous, lorsque nous voyons un nuage, nous disons, c'est l'annonciateur d'une pluie qui vient sur la francophonie. D'un nouvel ordre, l'ordre divin qui vient sur le territoire, sur la francophonie. Et le Saint-Esprit m'a dit, ce que vous êtes en train de commencer à voir, ce n'est pas uniquement, ne croyez pas que c'est le résultat uniquement de vos prières et de vos jeûnes. Avant vos prières et vos jeûnes, il y avait les pères, les aînés, les devanciers. Dans cette francophonie, il y a eu des larmes, il y a eu des sacrifices qui ont été consentis, il y a eu des prières qui sont montées. Et beaucoup de ces personnes qui ont versé ces larmes, qui ont souffert ces sacrifices, n'ont pas vu. Le pasteur Karembéry a dit quelque chose. Il a dit, nous les pères, nous avons commencé. Nous n'avons pas forcément fini. Mais il m'a dit que vous devez être reconnaissant et vous devez avoir du respect pour ceux qui vous ont devancé, pour les pères. Parce que ce que Dieu est en train de faire, attends. Ce que Dieu est en train de voir aujourd'hui comme une nouvelle page qui s'ouvre dans la francophonie. Je te confirme, même si toi tu dis ce n'est qu'un nuage. Attends. Nous t'annonçons que ce n'est pas un nuage, c'est une pluie qui est en train de venir. C'est une pluie qui est en train de venir. Tu dois savoir discerner les temps. C'est une pluie. Mais il m'a dit, cette pluie ne provient pas de vous seulement. C'est comme si le pasteur Matthew, qui est anglophone, est venu cette année à Impact Conférence. Le pasteur Matthew, quand il est reparti à Londres, il n'a pas arrêté de parler de ce qu'il a vu à Paris. Il est habitué aux foules, mais à Paris, il y avait plus que la foule. Il y avait une atmosphère, il y avait une présence, il y avait une gloire, il y avait une onction, il y avait quelque chose qui saturait l'atmosphère, au point que lui-même, il se mettait à chanter là où il n'est pas prévu de chanter. Une voix lui disait, chante, dit Pharaon. C'était plus que lui, c'était plus grand que lui, c'était le Saint-Esprit survenant sur la capitale. J'ai envoyé des photos de Impact Conférence à des frères anglophones qui travaillent avec Bishop Dag, le responsable des missions de Bishop Dag. Je lui ai envoyé les photos. Il a dit, what is this? Je lui ai dit, it was yesterday in Paris. Il m'a dit, au-delà de la foule, I can feel, je peux sentir qu'il y avait quelque chose dans l'air. Et il m'a dit, on dirait, et le pasteur Matthew a dit la même chose, on dirait que quelque chose est véritablement en train de se passer dans la francophonie. Là où il est,
toute la francophonie ne comptait pas dans le cancer spirituel des nations. Soudainement, les anglophones regardent et disent, quelque chose est en train de se passer là-bas. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est comme si le livre de souvenirs de Dieu a été ouvert. Et c'est le temps, c'est comme si notre génération est rentrée dans la phase de la gratification, de la rémunération, de la récompense. C'est comme si les intérêts composés, des intérêts composés, des intérêts composés, des pleurs, des larmes, des cris, des pères de la francophonie, des hommes qui ont rejoint Dieu et qui n'ont pas vu manifester à Paris ce pourquoi ils priaient. C'est comme si nous sommes arrivés dans la saison où Dieu a ouvert le livre de souvenirs et soudainement, Dieu se souvient de la francophonie. Et soudainement, Dieu se souvient des cris des justes, des pères de la foi, des pères spirituels qui ont crié, qui ont gémi, des Chantal Ingano, des Mamadou Karambiri, de plusieurs généraux de Dieu qui ont été suscités à l'époque dans la francophonie et qui ont soupiré, qui ont pleuré, qui ont gémi, qui ont dit Seigneur, visite la francophonie, visite la francophonie. Et c'est comme si le Saint-Esprit m'a montré, c'est comme si Dieu a ouvert le livre de souvenirs. Et il a dit, maintenant, je me souviens de la francophonie. Voilà pourquoi il t'a ramené, voilà pourquoi il m'a ramené, voilà pourquoi il nous a rassemblés, il nous a rassemblés. Il s'est souvenu, il s'est souvenu, il s'est souvenu, il s'est souvenu. J'entends les saints qui ont rejoint le Seigneur et qui sont devant le trône, qui sont en train de chanter. C'est la saison de la francophonie. Ils vont devoir reconnaître que tu n'avais pas dit ton dernier mot. Et là où le péché avait abondé, la grâce de Dieu est sur le point de surabonder. Là où régnaient les ténèbres, l'ombre de la mort, la gloire de Dieu se lève pour ramener les cœurs, restaurer les vies, détruire les jougs, ôter les fardeaux, pour réoccuper l'actualité médiatique. Le Saint-Esprit vient pour que Jésus devienne le plus populaire dans la francophonie. Tu es bon. Alors il m'a dit, ce qu'il est en train de faire n'est pas uniquement le résultat de nos prières. C'est l'exaucement des prières qui avait été. Est-ce que tu sais que la transformation de ta vie, est-ce que tu sais que tu n'es pas le seul à avoir pleuré pour que ta vie devienne un signe, un prodige? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens que tu ne connais pas ou que tu connais qui dans l'ombre ont prié, qui dans l'ombre ont crié? Ils ont vu ta vie de débauche, ils ont vu ta vie de galère, ils ont vu ta vie de misère. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont mis à genoux et qui ont dit, Seigneur, je suis trop âgé. Je suis peut-être âgé, mais je t'en supplie, ne laisse pas ce destin se détruire. Ne laisse pas Satan se réjouir. J'ai pleuré toute ma vie. Ne laisse pas mon enfant mal finir. Ne laisse pas finir dans la drogue, dans l'alcool, dans la perversion, dans la débauche. Je t'en prie, est-ce que tu sais qu'il y a eu des pleurs, il y a eu des cris, il y a eu des larmes? Et ta transformation ne vient pas que de toi. C'est l'exaucement de la prière de personnes qui ont rejoint Dieu sans voir la manifestation. Mais Dieu a ouvert le livre et Dieu a dit soudainement, c'est maintenant, j'ouvre le livre de souvenirs. Je me souviens de ton père, je me souviens des pères de la foi, je me souviens de ceux qui ont intercédé pour la capitale, pour la francophonie, et j'exauce leur prière. Voilà pourquoi, toi et moi, nous sommes là, portés, transportés par une force, par une puissance qui parfois nous dépasse. Nous sommes parfois portés, soulevés
pas quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. Et là, nous savons, ce n'est pas seulement parce que j'ai jeûné, ce n'est pas seulement parce que j'ai prié. Je reconnais que c'est le résultat uniquement de la grâce de Dieu, de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je célèbre ta bonté. Voilà pourquoi je célèbre ta capacité. Voilà pourquoi il ne faut jamais mépriser les pères spirituels. Voilà pourquoi il ne faut jamais mépriser ceux qui t'ont devancé. Voilà pourquoi nous devons avoir le plus grand respect pour ces gens, ces hommes, ces femmes qui nous ont précédés, qui pour certains ne sont plus, mais qui pour d'autres sont encore là. Voilà pourquoi nous devons avoir de la reconnaissance et le plus grand respect. Parce que nous n'avons pas commencé à zéro. Nous avons commencé avec un dépôt qu'ils ont laissé. Et c'est à nous de finir. J'annonce et je décrète que cette génération fera ce qu'aucune autre génération n'a fait. Mais attention, que cette génération, que notre génération s'attache à rester humble et à reconnaître qu'elle est divinement portée à cause des dépôts, des larmes, des sacrifices, du prix payé par les générations précédentes. À nous de respecter les personnes et le dépôt qu'elles ont déposé. Et à nous de payer le prix pour enfanter ce qui avait été conçu. Maintenant, à nous de pousser pour que la gloire de Dieu, comme jamais auparavant, qui avait été prophétisé, annoncé depuis des décennies, pour que ce qui avait été annoncé soit désormais à travers notre génération manifesté. La grâce de Dieu le fera. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci d'avoir entendu les cris. Tu es bon et ton amour durera jamais. Merci d'avoir répondu. Merci d'avoir entendu le cri. Merci d'avoir ouvert, le lit. Merci de t'être souvenu de cette francophonie. Merci, merci, merci. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Allez, allez, allez. Nous sommes la génération qui traverse. Nous sommes la génération qui perce les murs. Nous sommes la génération qui franchit les limitations, qui traverse les murailles, qui franchit les obstacles. Nous sommes la génération. Ouais, pour influencer. Mal dans les débrasses, chacun. Nous te rendons grâce pour ta bonté. Ce n'est pas nous, c'est ta grâce qui le fera. C'est ta grâce qui le fera. Reconnaissant. Alléluia.
Le niveau d'autorité qui était sur l'église a augmenté. Le niveau de grâce qui était sur l'église a augmenté. Le niveau de puissance qui reposait sur l'église a augmenté. Sa bonté parlera. Elle a commencé à parler. Elle parlera davantage. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te sommes reconnaissants. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon. Tu es bon et ton amour durera jamais. De ce que Alléluia. Seigneur, sois pour ton seul plaisir. Ce culte soit conduit par toi, pour toi, avec toi, en toi, Jésus, le Christ. Sois notre seul conducteur. Nous te rendons grâce. Lorsque nous regardons comment nous avons commencé l'année, semaine après semaine, à chaque fois, nous reconnaissons que nous ne savons pas où nous allons. Mais semaine après semaine, mois après mois, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus nous conduit et nous instruit. Tu nous montres la voie à suivre. Et tu as le regard sur nous. Tu nous donnes des conseils. Nous ressentons une immense gratitude. Parce que nous reconnaissons qu'aucun homme, aucun parti politique, aucun gouvernement humain n'est capable de transformer autant de vies, n'est capable de transformer autant de cœurs, n'est capable d'embrasser autant, n'est capable de détruire autant de jougs à la seconde, n'est capable de faire ce qu'il a, d'accomplir ce qu'il avait annoncé. Nous reconnaissons qu'aucun homme, aucun titre, aucune fonction, aucun président, ni aucun pasteur, ni aucun ministre n'est capable de faire ce que tu es en train de faire. Peut-être que pour quelqu'un qui vient pour la première fois, ce n'est que banal et ordinaire. Mais nous, nous voyons des nuages. Et nous reconnaissons que les nuages annoncent, pas les nuages, annoncent une pluie. Voilà pourquoi lorsque nous voyons la pluie, alors que hier, nous ne voyons que la sécheresse, nous ressentons monter au-dedans de nous, non seulement une gratitude, mais nous ressentons que des cris, des supplications ont été entendus, ont été exaucés, et que soudainement, un souffle nouveau souffle sur la francophonie. Il n'a fait que commencer. Voilà pourquoi nous ne sommes pas, nous sommes enthousiastes et reconnaissants, mais nous ne sommes pas emballés au point d'être emportés. Non, nous restons calmes, nous restons confiants. Nous restons sereins, mais nous restons visionnaires, nous restons conquérants, nous restons dans la foi et dans l'expectative, convaincus que ce n'est que le début du commencement. Et que nos vies individuelles et nos vies collectives et nos foyers ne pourront pas rester les mêmes. Pas à cause de bons pasteurs, non à cause des grands hommes de Dieu, non, mais à cause d'un grand Dieu qui a entendu nos cris et qui par son esprit a décidé de se mouvoir et d'ouvrir le livre de souvenirs. Et les intérêts composés, des intérêts composés, des intérêts composés, des larmes, des prières, des cris, ce que Satan a retenu dans les générations précédentes sera récompensé et rémunéré dans notre génération. Voilà pourquoi nos vies ne pourront plus être bloquées. Elles ne pourront plus être retenues. Elles ne pourront plus être limitées. Elles ne pourront plus être étranglées. C'est fini. L'onction de Dieu fait la différence. Dans ton église, un vent se lève. Je ne sais pas si tu le sens. Un vent se lève dans cette francophonie.
dans ta vie, dans ta famille, ton foyer, ton histoire, ton témoignage. Un vent se lève. C'est le temps de la gratification. C'est le temps de la récompense. C'est le temps où Dieu ouvre le livre et décide que les intérêts d'hier, les jougs, les intérêts, les récompenses bloquées hier par Satan, c'est la saison de la relâche, c'est la saison de la libération, c'est la saison de la pacte, c'est la saison de la conquête, c'est la saison de l'invasion, de l'onction d'expansion. Dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce. Nous croyons à la parole, nous croyons à la prophétie, et nous croyons que c'est la saison de l'onction qui fait toute la différence. Voilà pourquoi nous sommes enthousiastes. Voilà pourquoi, quelle que soit la douleur, nous savons qu'il y a une nouvelle dimension. Il y a un nouveau grade. Il y a une nouvelle dimension. Et les jougs d'hier ne peuvent pas subsister et cohabiter dans cette nouvelle dimension. Les fardeaux d'hier sont obligés de céder. Les jougs d'hier sont obligés d'être détruits. Pourquoi ? Parce que l'onction d'aujourd'hui est différente de celle d'hier, de l'année dernière. Voilà pourquoi il y a de l'espoir sur ta vie, sur ma vie, sur l'Église. Et chaque année, les mots, man eleva sale catalabas. Et c'est que les mots à talabas. Il chante que bresséa. Osokahana. Levant tous les mains. Il y a des rebots. Ikabahande. Rishanda les rebots. Allez. Tu es bon. Et ton amour dure. Allez. Allez. Tu es bon. Allez, allez. Alléluia. Alléluia.
Le roi de gloire a fait son entrée. Le roi de gloire marche devant nous. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il le fait. Le roi de gloire a pris ses quartiers. Le roi de gloire s'est positionné. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous rendons grâce de ce qu'il a pris ses quartiers. C'est trop tard. Un chemin lui a été ouvert. Un cortège a été dressé. Un bac de conférence a symbolisé cette haie d'honneur qui a été ouverte pour le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? Le Seigneur fort et puissant. C'est trop tard. Il est déjà rentré dans les vies. Il est rentré dans les foyers. Il est rentré dans la politique. Il est rentré dans l'économie. Il est rentré dans la religion. Il est rentré dans l'art. Il est rentré dans le divertissement. Il est rentré. Il est rentré dans les médias. C'est trop tard. Les mois qui suivront verront maintenant la manifestation du roi de gloire en action, l'onction en action. Il est rentré dans les pays, il est rentré dans les villes, il est rentré dans les familles, il est rentré dans les villages, il est rentré dans les quartiers. En France et dans la francophonie, dans tous les pays francophones, il est rentré à travers un pacte de conférence. C'est une haie d'honneur dans la capitale qui lui a été ouverte. Seul trop tard, l'enfer ne pourra plus le stopper. L'enfer ne pourra plus l'arrêter. L'action de Dieu, l'onction de Dieu, Dieu le Saint-Esprit en mouvement. Les maladies ne pourront plus résister. Les démons ne pourront plus supporter. Les dominations ne pourront plus s'opposer. Les échecs ne pourront plus se tenir debout. Non, les murailles ne pourront plus se dresser. Le roi de gloire est entré. C'est ce que nous célébrons par ce culte d'action de grâce. C'est ce que nous annonçons par ce culte d'action de grâce. Il est rentré dans l'économie. Il est rentré, c'est trop tard. Où que nous soyons implantés, soyons implantés là où jusqu'à présent ils avaient dit vous ne passez pas, vous ne traversez pas, vous ne franchissez pas. Je suis au regret de vous annoncer que nous avons un ordre de mission, que nous avons un mandat, nous avons une autorité et nous avons une puissance qui vous contraint à vous écarter et à laisser passer. C'est la saison dans laquelle nous sommes entrés. Si tu le crois, tu peux acclamer, 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 acclamer. Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. À lui seul soit la gloire. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, allez. Allez. Thank you.
Alléluia.